n'est pas au pôle Nord, mais voilà, chez PPO, c'est au bout de la rue. Et il neige. Donc voilà, les couvertures de l'épaule par deux, donc elles sont dans ce sens-ci. Ça, c'est une épaule frontière, ça va être le fichier. Ouais, on n'est pas obligé de s'y tenir, mais voilà, c'est comme le. Après, ça, on peut faire la sensation. D'accord. C'est un repère comme le promenade. Voilà, c'est ça, c'est le promenade. C'est le promenade, mais c'est pas le promenade. Pas de couleur. Ça s'appelle plus le promenade, c'est un GFG, c'est l'équivalent. Bah écoute, ça me semble bien. Le souci, c'est que les noirs soient couchés. Et là, apparemment, ça va. Là, c'est la couverture qui sort et ils vont sortir après la couverture de l'intégrale. Faire les deux en même temps. Là, c'est du revu. C'est ce qu'il a fait avant de vous appeler. Ah oui, d'accord. Avant, c'était les pièces rotatives. Ici, on était plus ou moins à 13 000 exemplaires à l'heure. Donc, rotatives, on était à 45 000. Et donc, arrêter la machine et la démarrer, ça prenait beaucoup de temps. Tous ces réglages. C'est peut-être pendant que la machine complète. 45 000 à l'heure, si vous mettez 20 minutes à régler, ça nous donnait assez de passes. Et là maintenant c'est fait en. Maintenant, la moyenne c'est 300-400 passes. Ah ouais. Là c'est la couverture, c'est la machine qui a la couverture. Et là, c'est pour l'intérieur. On va 32 pages. Les 32 pages de l'autre, les 64 pages. C'est pour ça que la machine est beaucoup plus grande. Et donc on fait un tour. Alors voilà. Là, ce sont les plaques de l'album. J'attends. Pas les decks évidemment. Donc là c'est en attente. Oh, marrant. Tu sais qu'il y a des auteurs qui veulent emporter ça dans leur chambre. Il y a une plaque pour chaque couleur. Là c'est la plaque du bleu, forcément parce que je mets pas mal de bleu. Et la plaque du noir, elle doit être à fond. Voilà la plaque du noir. Super de pouvoir voir tout ça parce qu'on ne voit pas souvent. Extra. Là c'est le cahier spécial. Ouais, c'est ça. Et alors on là on récolte ça. D'accord. Allez. On pourra avoir deux, trois feuilles de côté avec les autres, c'est gentil. Merci bien. Gentil, merci beaucoup. Les pages. D'accord. Là, c'est le chromalin. Ouais. Et voilà la petite machine. Ça me semble pas mal. Donc,
semble pas mal. Un peu plus jaune sur le. Ce que je vais essayer, c'est de remettre la page droite parce que là, je vois pas grand chose. Pardon. Ouais, je vais essayer de voir par là. Au niveau saturation couleur, on est pas mal quand même. Mais on est presque un peu fort. Au niveau saturation. Est-ce que ce serait peut-être possible de baisser un peu? Ouais. Ça c'est l'Ozalide alors. Il y a vraiment un équilibre de couleurs assez subtil à saisir et toujours ça peut être au détriment du noir aussi. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour tout bien contrôler. Et ça repart. Allez, c'est bon. De cahier. Ah oui. Merci à vous. Là, c'est bon. Il me semble bien. Voilà, c'est assez chargé, on est bien. Ah là, mais on suit le menu là. Là, on suit. Ah là, oui. Là, ça va être sur Internet. On va passer à la télé, la semaine prochaine. C'est pas au journal de 20h. Ça sort bien, ça sort même très bien, c'est très précis, les densités sont bonnes, les noirs ne sont pas bouchés, donc je suis content. Voilà, c'est ce qu'on appelle des bonnes feuilles, donc ça c'est prêt à tirer tout ça. Ça va partir au brochage après une période de sèche qui est... Combien de temps ça sèche en fait? 48 heures. 48 heures. Moins 48 heures. Voilà. Donc ça c'est tiré et on retrouve ça en album. Marrant, c'est le fruit de d'années de réflexion, de boulot, on est responsable de tout ça. Voilà, là, comme ça, ah oui, ça fait drôle. Là, on est à la reliure. Donc, les feuilles vont arriver comme ceci. Ouais. Elles vont être pliées dans différentes machines. Ouais. Une fois qu'elles sont pliées par cahier, elles vont être assemblées dans les machines à coudre. Oui. Et ici, on voit sur le côté, il y a chaque. Ici, c'est le cahier numéro 1, 2, 3, 4, 5. Elles ont chacun un numéro pour pas que l'opérateur se trompe. Donc, le cahier 1, il devra le mettre dans le numéro 1, 2, 3. D'accord. Et puis, on va peut-être l'avoir tourné plus loin. Je vais regarder, mais je n'entends pas. D'accord. Et on va la regarder pour voir si ici elle tourne. Là, c'est interne à la. Voilà, c'est interne ici à l'imprimerie. Il y a le côté vraiment impression et le côté reliure de ce côté-ci. On va plier les cahiers, les coudre et après, on va faire la même chose avec la couverture. On va coller la couverture sur le carton, plier et puis on va assembler les deux. Tout se trouve de l'autre côté. C'est l'emboîtage, c'est ça? L'emboîtage, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce que rarement. La reliure est peut-être externe. Souvent. Généralement, elle est externe. Ouais. C'est rare les imprimeurs qui ont le reliure. Oui. Une rogneuse, ça s'appelle.
Là, il y a un peu d'air comprimé, non? Oui, je pourrais aspirer un peu les feuilles pour tout taper. Alors, le gars, il prend ça pour... Voilà. Oui, parce que ça coupe par rame entière. Hein. Il vient taquer les feuilles. Oui. Lui, il est presque bien avec ça. Oui. Et il entre les coordonnées ici, de ce qu'il va couper. Et la lame ici, il va couper les... Oui. Pas mettre sa main. Non. Ouais, c'est presque dommage que ça tourne ça pas. Ça tourne le... pas, ouais. Ouais. C'est un grand entrepôt, hein. Tout ça, c'est pas une énorme chaîne de rayures. Il y en a des beaucoup plus grands. Oui, oui. Tout ça, c'est des albums, là. Les cartons pour les couvertures. Ah, carton de couverture, voilà. Donc là-dessus, ils viennent coller la feuille. Ah oui, d'accord. Et là-dessus, ils vont d'abord faire les deux découpes. Oui, oui, oui. Avec la feuille collée pour que ça soit... C'est la plieuse. Voilà. Ils mettent les feuilles imprimées. La plieuse, voilà. Et c'est assourdissant. Ça ouais. Voilà, là c'est plié là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là ce sont les gardes. Ouais, c'est les gardes. Les gardes des albums. Ah oui. Ah, ce sont les pages de garde. Voilà la couverture. Le carton est tranché. Pour le pliage. La couverture est collée. On la fait un peu plus grand, comme ça aussi en serrant, on peut avoir le mort de l'album. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est chouette, mais c'est chouette de voir tout ça. Ce sont des montagnes de bouquins, bah oui. Des montagnes. Et après, on dit que les enfants ne lisent pas. Peut-être qu'ils ne lisent pas. Peut-être que tout ça, c'est pour rien, en fait. Peut-être que tout ça, ça part au pilon, après. Et en fait, ça va les coller. En fait, ceci, c'est de la colle. Ah oui. À chaud, qui va fondre, et ça va donner ceci. Consolider l'album. Ah oui, c'est la colle qui va au dos. Voilà, en plus de la couture, d'accord, on peut d'accord. mettre de la colle aussi. On peut se préférer juste coller, ce que nous, on n'utilise pas. On préfère la couture et on met un renfort comme ceci. D'accord, d'accord, d'accord. Certains ne mettent que de la colle, mais nous, oui. On n'est pas fan. On a bien la couture. Et c'est encore massicoté après oui, ça. Oui, c'est massicoté. Ouais, ouais, ouais. Alors ici, on met la couverture sur le carton. C'est le collage. Couverture de l'autre. Ah oui, d'accord. Les cartons sont là. Voilà, là on voit mieux là. C'est plus comme cahier qui vont être mis. Et ici aussi on peut mettre le renfort. D'accord. Si ça va prendre les cahiers pour les mettre les uns sur les autres, déjà pendant les points, ils peuvent être collés en un ici. Voilà, et ici, dommage qu'on ne le voit pas, mais les gardes sont collés avec la couverture pour faire la BD finie. Voilà. Si on a un sticker, l'album va passer là et va chaque fois prendre le sticker. Alors c'est là que se passent les stickers. Quand il y a un autocollant bien chiant à enlever sur une couverture, c'est ici, voilà. L'album passe là et clac. Voilà, ce genre de choses. Il y a de tout. Et du Mardi Gras. La coupe de l'intégrale. Néerlandais et français.
D'accord. Ok, impeccable, merci. Merci bien. Merci, super. Voilà. Alors ça, ce sont les plaques des albums. Ils utilisent recto verso, non? Ils utilisent recto verso parce que derrière, il y a... Ah, ici, c'est la couverture, ça. Elle n'a qu'une face. C'est pour ça que ce n'est que recto. Ouais. Ok. Il y a quatre blocs. Elle fait bleu, rouge, jaune et une couleur supplémentaire. Elle n'a pas ce retournage pour faire recto verso. D'accord. Bon. Voilà. Il n'y a que la moitié de l'album, mais c'est bien. Voilà, ça doit être la plaque de noir. Il y a du Mardi Gras en rose, le jaune et le bleu. Le bleu, ouais. On a une impression, je vais pas dire positive, mais dans le bon sens, alors qu'on imprime sur du papier. Normalement, ça devrait être inversé. Oui. C'est parce qu'en fait, la plaque n'est jamais en contact avec le papier. Sinon, ça bougeait et la plaque et le papier. Ouais. Donc, ça passe comme un blanchet, on appelle ça. La plaque est en contact avec un cylindre producteur, on appelle ça un blanchet. Ça s'imprime là-dessus, le blanchet est légèrement plus souple. Ah oui. Et lui est en contact avec le papier. Et lui retransmet l'image. Donc, on passe d'un positif à un négatif sur le blanchet, à un positif sur le papier. C'est un transfert, en fait. Un transfert, ouais. D'accord. Oui, les machines en rotative en piano, pour l'impression des albums qui sont ici, il y a un blanc. J'ai jamais posé la question, mais c'est vrai que, bah oui, c'est logique. Si c'est imprimé à l'envers, on ne sait pas. Ah, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Dire que c'était extrêmement intéressant de revoir un calage une fois tous les 10 ans. Ben, les techniques ont vraiment changé, donc là c'était l'occasion de faire un petit tour de l'évolution technique, on va dire, des machines, etc. Et puis bien sûr le grand plaisir de voir le projet sortir de la machine comme ça, c'est toujours magique. Rendez-vous pour l'expo Galerie Oblique, rendez-vous pour l'album, et puis même si je dédicace beaucoup moins maintenant, rendez-vous peut-être en festival. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon blog et à m'envoyer même l'album, faire une demande par mail, m'envoyer l'album directement chez moi à la maison, j'aurai plaisir à vous répondre et puis à le dédicacer. Salut !